Cristiano. Elle n'est pas passée cette balle. Il y a un match aussi dans les tribunes entre les supporters américains et les supporters chiliens. Retenu son bras là, sur ce dernier coup droit, Marcelo Ríos. Oui. Premier ace. Balle de jeu. Sauté de Ríos. C'était bien fait hein, parce qu'on a vu André Agassi essayer de temporiser en cours d'échange, mais Ríos est tout de suite venu jouer cette balle très tôt avec, comme vous l'avez signalé, hein, ce petit revers sauté dont il a le secret. Oh, quelle ambiance, quelle ambiance. Et il y a beaucoup de vignettes collées sous le nom de chacun de ces joueurs. Il y en a 5 pour Ríos, il y en a 12 pour André Agassi. 12 Master Series remportées tout au long de sa carrière. C'est le record. Un de plus que son prince. Impressionnant. André Agassi, c'est ça. Madame Ríos avec Constanza, la petite fille, qui n'a pas encore un an. Il est capable de gommer ce genre d'erreur, on le sait, Ríos l'a prouvé lors de son parcours ici. Mais ils vont tellement vite tous les deux. Oh, parfait. Bien avancé. Darren Cahill, l'entraîneur d'André Agassi depuis le début de la saison. Un jeu partout. On vous parle souvent des filières de jeu des joueurs. Là, nous avons sur cette surface la même filière pour les deux. Deux joueurs qui vont essayer de jouer très très vite, tout en restant au fond du court, avec une prise de balle très précoce.
et on avance. Oui, super. On a vu Agassi, hein, vraiment prendre le temps de bien se placer sous cette balle. Elle joue après rebond. Mais ce sont des joueurs, tous les deux, aussi bien Rios que Agassi, qui ne font pas que de la frappe de balle, ils ne font pas qu'avancer bêtement parce qu'ils ont aussi une construction du point. Hein. Ah, oui. Avant d'avancer comme ça, ils ouvrent tout le temps le terrain, que ce soit en coup droit ou en revers. Oula. Il n'avait pas joué du tout ce point, André Agassi. Il avait vu le service loin de la ligne. Ça fait plusieurs coups depuis le début de ce match que Rios retient son bras. Il le fait très bien. Agassi un petit peu débordé qui avait décidé de casser le rythme dans cet échange. Oui, superbe. On a vu bien prendre son temps aussi. On attend le dernier moment avant de jouer son coup. Voilà, petite fraction de seconde. Il fixe André Agassi, il choisit son côté. Il est un petit peu à côté, ouais, celle-ci. Ouais. On est placé juste en face. Première double faute pour Rios. Et troisième possibilité pour Agassi de faire le break. Un ace à 202 km/h, son service le plus rapide. Oh, c'est beau. Parfait, trois services pour remporter son jeu, trois services gagnants, deux aces et un service gagnant. Ouais, pour effacer cette double faute qu'il avait mis en difficulté, du temps pour revenir pratiquement deux ans, parce que Rios, on le voyait très bien, avait encore son tennis, mais n'avait plus sa mobilité, et c'est ce qui fait justement sa force, cette rapidité sur le court, et vous le voyez ce site, superbe, absolument superbe sur l'île de Key Biscayne. À deux ponts du centre de Miami.
Il a eu 3 balles de break, André Agassi, dans ce début de premier set non converti. 2 jeux à 1 pour le Chilien. Il recule là au moment de jouer son coup droit, Marcelo Ríos. Pas les bons appuis. Et André Agassi qui regarde le dirigeable là, qui se promène au-dessus du central. C'est pour ça que vous entendez ce bruit agaçant. Oui, bien joué, bien avancé, un bon premier service très stylé qui déporte complètement Ríos. Une bonne montée au filet, et là sur cette volée, il est venu très vite vers l'avant. Pour André Agassi, il s'attendait encore à ce que Ríos soit dessus. Allez, jeu blanc. André Agassi qui n'a perdu qu'un point sur ses 2 jeux de service. Voilà la différence d'attitude sur le court avec cette rage d'Agassi sur tous les points. Cette débauche d'énergie permanente. Mais il en a besoin, il est comme ça. Alors que Ríos, lui, est beaucoup plus coulé, beaucoup plus relâché sur les points. Oh, oh là là! Quel coup de patte magique, que ce soit la Morty ou le petit love. On vous le disait hein, qu'il avait retrouvé tout son toucher, Marcelo Ríos. Tout ça avec une facilité. Superbe deuxième balle, très profonde avec beaucoup d'effets, lifté, bien varié sur le coup droit d'Agassi. Ouais, parce qu'un ace sur seconde balle face à Agassi, c'est rare. 4 déjà. Oui, il commence à agacer tout le monde. C'est dirigeable. Pas mal, je viens de faire plus. Un petit coup d'œil sur le dirigeable et hop, il se met à servir un service gagnant. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien! Et c'est pour ça qu'on se régale dans ce tournoi. C'est parce qu'il y a des joueurs intelligents sur le court. Bien sûr, ils sont doués, mais ils réfléchissent beaucoup. Des maîtres tacticiens. Tout est construit. C'est l'expérience qui veut ça. Trois jeux à deux. Ça va lui faire du bien, Ríos. C'est un jeu de service remporté facilement. Deux joueurs qui sont impressionnants sur leur rapport victoire-défaite depuis le début de l'année, puisque Ríos a remporté 13 matchs pour 6 petites défaites. Agassi, de son côté, 13 matchs pour 2 défaites. Et on sait qu'Agassi est très difficile à breaker dans ce tournoi. Il n'a été breaké que 3 fois l'Américain. C'est pour ça que Ríos a intérêt à garder son engagement.
Agassi qui n'a perdu son engagement que, on s'en souvient, deux fois face à la Penty en quart de finale et puis une autre fois plus tôt dans le tournoi. Là, il y a la construction des points. Deux joueurs qui partent sur de la ligne de fond de court, qui essayent de déplacer leur adversaire, de trouver un angle pour essayer de déstabiliser. À partir de là, ils arrivent à rentrer à l'intérieur du court et la différence se fait. Ils peuvent construire. Quel amorti. Il s'est complètement arrêté. Regardez, il va faire ce lob en marchant. Il n'y a rien à faire en plus. C'est exactement là où il fallait la placer. Regardez, hein, lorsqu'il délivre cet amorti, il est à l'intérieur du terrain, il est en position d'attaque. Donc Agassi lui est un petit peu sur les talons parce qu'il s'attend à ce que Rios délivre une de ses accélérations de coup droit et au dernier moment il arrête son geste. C'est comme un coup d'attaque en fait cet amorti. Et Thierry Champion vous le répète depuis le début du tournoi, si jamais vous voulez faire des amortis, faites-le quand vous êtes à l'intérieur du court. C'est là que ça va devenir le plus efficace possible. Surtout bien sûr si l'adversaire est éloigné lui. Parce que si vous jouez contre Agassi ou Leighton Hewitt, ça va être un massacre. Tous les deux au niveau des fautes directes, 6 pour Agassi, 8 pour Rios. Ah, dommage, c'était trop court ce petit revers. Alors, il y avait l'idée, hein, de changer de rythme, mais là, beaucoup trop court pour Rios. Et tout de suite, André Agassi en profite. On ne peut pas se permettre de rater un coup comme ça face à un joueur comme Agassi en cours d'échange. C'est équilibré, vous le voyez, point gagnant, faute directe. Est-ce que quelqu'un peut tirer sur ce dirigeable ? Vous avez vu rapidement là, cette petite bande qu'il y a sous le genou de Marcelo Rios, le genou droit, mais on lui a demandé en conférence de presse, apparemment c'est plus pour se rassurer, un soutien en fait, plus qu'autre chose. Ne pas gêner. Difficile à faire. Oui, parce qu'il avait perdu sa pluie, mais il avait tellement bien réussi sur ses coups droits courts croisés face à Sheila lors de son tour précédent, mais en face de lui il est Agassi, on connaît son revers croisé lorsqu'il ouvre son angle comme ça, non seulement il arrive à la mettre très courte, mais en plus il arrive à lui donner de la vitesse.
Quel revers d'André Agassi. Parfaitement placé. Rios qui est obligé de reculer. En plus, il ne peut pas la jouer plus tôt que ça. C'est pas possible. J'espère qu'il n'est pas gêné, Marcelo Rios. Donc c'est en revers en ce moment, hein, où il commet quelques petites fautes directes. Il accroche pas mal la bande du filet. Oh, deux joueurs d'échecs qui placent leur pion tout au long de l'échange. On voit que les deux joueurs ne veulent pas reculer, hein. Ils sont sur la ligne de fond de court et s'ils ne bougent pas. Quelle facilité chez Rios pour jouer ses balles hautes là en revers. Toujours avec cette poussée verticale. Ça sort. Eh oui, mais là, on en parlait, hein, en début de partie, hein, c'est que des fois Rios, c'est tellement facile sur cette volée de première volée de revers, il aurait dû faire le point là dessus regardez, mais il la joue pratiquement en marchant. Et on ne peut pas se permettre ça dans un moment important face à André Agassi. 15-40. À nouveau des balles de break pour l'Américain. Oh, c'est pas vrai. Il surprend Agassi avec service lifté sur le coup droit. Pas très puissant, mais bien placé. À chaque fois qu'il a été en difficulté, il a sorti un très très beau premier service. De break écarté par Rios depuis le début de ce match. Ouais, c'est bien ramené, hein, de Rios. Il était très loin, il en a profité pour jouer un coup droit assez haut, lifter, regagner un petit peu de temps et de terrain. Obliger André Agassi à jouer un coup difficile. Comme ça, Julien. Ouais, attention. C'est pas du petit tennis, vous vous en rendez certainement compte. Là on a un bras de fer de très très haut niveau entre Marcelo Rios et André Agassi. Rios qui écarte 5 balles de break, 2 dans ce jeu, 3 lors de son deuxième jeu de service pour conserver les commandes dans ce premier set. Mais que c'est dur, 4 jeux à 3. Ça nous rappelle les grandes heures de Rios à Roland-Garros. Qui avait atteint par deux fois les quarts de finale à la porte d'Auteuil en 98, sa fameuse année où il a été extraordinaire, et puis en 99 également. Et le voilà, le kiné sur le genou de Rios, le genou droit, là où il y a cette petite bande. Ah, c'est ça qui est embêtant avec ces joueurs de tennis professionnels. À chaque fois, si on leur demande s'ils ont un petit pépin physique, à chaque fois ils nous disent que non. Mais on les comprend également parce que... Ouais, il était sur cet appui là.
s'est apparemment bloqué le genou. On les comprend, les joueurs. C'est la méthode Coué, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se mentir déjà eux-mêmes pour ne pas arriver sur le court en se disant « Attention, je suis blessé, je vais peut-être avoir mal. » Et puis surtout aussi par rapport aux adversaires, parce que les adversaires, je peux vous dire qu'ils les lisent, les comptes rendus des conférences de presse ou les journaux, et que si jamais il y en a un qui annonce qu'il a mal quelque part, ça pourra avoir son importance. Attention, là, c'est... Rios qui avait été blessé, on s'en souvient, au tout début de la saison 2001, alors qu'on voit là Corinne Dubreuil, photographe de Tennis Magazine, en train de prendre des clichés. Blessé à la cheville gauche au début de la saison 2001, qui l'a vraiment embêté. Et puis les adducteurs, opérés à la fin de la saison 99, qui l'a bien sûr, cette opération l'a handicapé pendant les premiers mois de la saison 2000. C'est un joueur qui a eu tendance au début de sa carrière à ne pas être très assidu à l'entraînement. Il ne s'est pas fait assez mal et automatiquement le corps souffre. Quatre jeux à trois, Rios. Pas de break encore. Je suis en train de tester son genou, ses appuis. De savoir si c'est solide ou pas. La jambe droite, hein. C'est surtout sur ses appuis coup droit. Tous Agassi en profite pour le déplacer. On l'a vu, hein, sur ce dernier coup droit, il n'a pas cherché à faire le point. André Agassi essayer de jouer croisé, long, avec beaucoup d'effet, repousser Marcelo Rios. Jeu blanc très rapide d'André Agassi. En une minute seulement pour revenir à 4 jeux partout, c'est important parce que Rios lui peine terriblement. Petit avantage d'Aren Cahill, le sent. Agassi qui a commis 7 fautes directes depuis le début du match. Rios 14. Mais ça reste équilibré puisqu'il a fait plus de points gagnants. Mais attention, Agassi est à l'affût. Sert bien Marcelo Rios en première balle, il varie beaucoup d'effets, beaucoup de longueur, souvent près des lignes. Un petit peu trop vite de face à ce dernier coup droit. La balle des yeux un petit peu trop tôt. Quelle prise de risque! Elle est bonne! Non! Annoncé extérieur! Ouh là là, ça avait l'air d'accrocher la ligne! Il a pris de toute façon un gros risque, le Chilien. Il ne voulait pas reculer, il ne voulait pas jouer cette balle après rebond. Oh là là,
Romano Griatti qui recommence. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que cette balle a touché la, n'a pas touché la ligne. Faut qu'il arrête de dire je ne suis pas sûr, Romano Griatti. Justement, sa position doit être celle d'une personne qui est tout le temps sûre de lui. Ou alors il dit je ne l'ai pas vu, je fais confiance à mon juge de ligne. Voilà. Et là il n'y a pas de problème. Il a failli rendre fou Safin déjà. Ouais. Oulala. Par contre ça me fait peur. Ah oui, ouais. Parce qu'il a été. Peu hésitant, il a perdu son appui là au moment de jouer son revers. Sixième balle de break pour André Agassi. Oui, c'est bien fait. Ça au niveau du toucher de balle. Regardez avec quelle facilité. Il délivre cette volée amortie parfaite. Caranta. Larios qui sert très bien parce que Agassi n'a pas de possibilité véritablement pour avancer. Il ne sait pas vraiment où va la balle, l'américain, ce qui est rare. Oh là là. Oh, c'était très mal joué ça, techniquement. Ah, c'est difficile à faire hein, de tenter une amortie comme ça sur une balle qui est pratiquement à hauteur d'épaule. Je crois qu'il a hésité jusqu'au dernier moment. Il a du mal à pousser. Toujours sur cette fameuse jambe droite. Alors, jusqu'à présent, il avait toujours réussi à passer une bonne première balle sur ses balles de break. Il y avait pas mal celle-là. Agassi qui n'arrive pas à avancer. Il est sur la balle, mais... presque en position défensive. Pas facile hein, d'avancer sur la première balle de Rios parce que même si sa première balle n'est pas très puissante, elle est très travaillée. Service de gaucher. Mais beaucoup d'effets dedans. Oh, il y sera. Oh non! Oh, elle est bonne. Oh, c'est fou! Allez, belle anticipation, joli coup de toucher. Oh là là, c'est la folie chez les supporters du Chilien. Agassi qui avait vu, mais 3 heures avant cette amortie. Et pourtant, encore une fois, grâce à son œil magique, lui aussi, Rios avait anticipé. Oh, c'est superbe. Balle de 5-4 pour le Chilien. Non, aïe. Oh, quelqu'un dans le public a crié faute. Rios a cru que c'était le juge de ligne et il s'est arrêté de jouer. C'est quelqu'un dans le public juste derrière lui, dans son dos. Ah, c'est terrible. Il conteste pas hein, que la balle soit faute, Marcelo Rios, hein, mais il a... Ouais, il demande à Romano Griatti s'il peut demander au public de faire silence pendant les échanges. Thank you. Players are ready. Thank you.
Non. Ça sort. Non. Il était un petit peu loin là de ça, une fond de cours pour tenter un coup gagnant. Il aurait dû l'enrouler un peu plus, mettre un peu plus d'effet. Il aurait choisi de la jouer à plat. Huitième balle de break pour Agassi depuis le début du match. Ça fait beaucoup. Encore une fois bien servi. Yes. Arios, de toute façon, c'est du solide. Il a sauvé 3 balles de 7 dans la première manche contre Sheila. Il a eu 6 balles de break contre lui face à Correggia. Correggia n'a jamais réussi à prendre le service de Rios. Il a sauvé 3 balles de 7 également contre Kafelnikov. On a retrouvé le grand chilien. Il ne joue pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais je crois qu'il n'arrive pas à y aller sur ce revers. Ouais. C'est pour ça qu'il tente ça. Il y a quelque chose qui le gêne parce que. Regardez, il est un peu juste. Il n'a pas les bons appuis. À chaque fois qu'il prend appui sur cette jambe droite là, il a un moment de retenue. Première fois qu'il ne passe pas une première balle de service sur une balle de break. Ah non, 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 pourvu que la fête ne soit pas gâchée à cause d'une sale blessure. Le break pour André Agassi, ça pend. Oh, super. Oh, quel changement de riz. Il avait adressé un petit revers slicé, très bas. Et derrière, sans donner l'impression de forcer, superbe accélération longue ligne. Pas facile hein, pour André Agassi parce que bon, il a vu que Rios sur 2-3 points avait du mal à se déplacer, donc il sait pas trop à quoi s'attendre là en ce moment. Il se crispe un petit peu. C'est bien servi ça. Ouais, une deuxième balle puissante, 110 miles. 177 km/h. C'est une bonne deuxième. Ah oui, on peut le dire. C'est des secondes à la pite sans prasse. Quelle réponse, quelle réaction de Rios. Bon, mais on est rassuré sur son genou là, sur ce point, mais. Ah, il jette peut-être ses dernières cartouches pour rester dans ce premier set. Mais là, quelle couverture. Ouais, quel bras hein, pour la ramener, alors qu'il était très loin derrière là-bas au fond de court. Complètement sorti de son couloir. Première balle de break pour le chilien. Et il revient! Ah, tant mieux! Bravo Rios. Oui, nous ne sommes pas pour Rios, même si l'on voit sa charmante épouse.
mais on a envie qu'il y ait un bras de fer équitable entre ces deux joueurs et on a peur de cette blessure apparemment de Rios au niveau du genou. Regardez la chaleur qu'il fait. Agassi qui est obligé de se mettre à l'ombre là en attendant que Rios revienne. Il a changé de raquette. Une balle de break, une possibilité pour le Chilien. Il l'a saisi pour revenir. 5 jeux partout. En ce moment dans sa tête ici. Il servait pour le 7, il a vu que le Chilien était diminué. Il n'est pas serein. Bon. Oh là là, oh là. C'est ce qu'il veut en ce moment en plus. Il laisse plus de temps à Agassi pour s'organiser. Hein. Il prend cette dernière accélération de coup droit. Derrière il vient jouer. Cette balle, deux volets, superbe match en extension. Ah oui. Non mais qu'est-ce qu'ils nous font? Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Et que ce soit Safi, Newit, Federer, Rios ou Agassi. Incroyable le niveau. Agassi était de toute façon. Il le montre, hein, c'était plus judicieux de jouer longue ligne, parce qu'Agassi, de toute manière, était dessus. Et c'est très dangereux hein, lorsqu'on ouvre en angle comme ça, alors que Agassi l'avait déjà sorti, parce que s'il rate son coup, il va se faire étaler longue ligne, ça c'est sûr. Quel service! Oh, quelle seconde balle! Pour reprendre les commandes dans ce premier set. 6 jeux à 5. Du bonheur. On atteint vraiment le niveau de balle de faute. Apparemment, une petite contraction, une petite crainte. On ne sait pas ce qui s'est passé chez Agassi. Il a fait 3-4 fautes directes dans les échanges qui ont permis déjà à Rios de reprendre son break de retard et en plus de confirmer ensuite. Pour mener 6-5. Oui, mais il y a eu la manière dont il a breaké Rios à 4 partout. Il a vu, bon, le jeu a été long. Il a vu que sur quelques coups, Rios n'arrivait pas à y aller. Il a réussi à faire le break. Peut-être que tout d'un coup, son intensité, sa concentration a un petit peu baissé. Il s'est dit, bah ça y est, je tiens le bon bout. Et bah boum. Et voilà, et tout de suite, Rios a réagi. Et Agassi ne s'est pas méfié. Il faut être au sommet. Jeu de service parfait pour l'instant, 40-0.
impressionnant. 6 jeux partout, alors attention. André Agassi, depuis le début de la saison, a gagné 27 sets sur 33 disputés. Il en a perdu 6, et les 6 qu'il a perdus au jeu décisif. Et il le dit lui-même, il revient à son meilleur niveau, et automatiquement dans ses jeux décisifs, il faut de l'expérience, vous le voyez. Un tie-break remporté sur 6 depuis le début de l'année. Il a besoin encore de ce genre de situation, Agassi, pour être performant. On va voir. André Agassi. Rio s'était arrêté de jouer alors que cette balle était complètement bonne. À l'intox, Agassi lui aussi perturbé, s'est un petit peu déconcentré. Et Rio s'en a profité pour le passer. Écoutez, il a un petit peu tôt en ce moment, Agassi, de vouloir à tout prix jouer le contre-pied sur ses balles qui sont juste derrière le filet parce que ses amortis sont ratés. Il y a un trou, il doit frapper dedans, pas de position, d'autant plus que Rio a un peu plus de mal maintenant sur les longues courses. Il est bien servi. Il retient. Il n'est pas serein, André Agassi. Et il la connaît, cette statistique qu'il a sur les jeux décisifs depuis le début de la saison, parce qu'on en a parlé souvent avec lui en conférence de presse. Allez savoir jusqu'où ça peut le perturber. Oh, le cadeau. Passé sur ses jambes à cette deuxième balle, Marcelo Rios. Il joue long, Agassi. Il joue long. Mais Rios, là, qui n'a pas eu les petits pas de dégagement sur ce dernier coup droit. Il avait essayé de le jouer en demi-volée du fond de court. Et le Chilien qui perd ses 2 points. 3-2 pour Agassi. Quel angle il a réussi à trouver Marcelo Rios sur ce dernier coup droit. Il avait les bons appuis, il était bien dans la balle. C'est bien amené tout ça. Ces deux joueurs sont en train de prouver que au tennis, bien sûr, il faut savoir frapper, mais il faut savoir aussi être intelligent sur un court. Oh, il n'en a pas fait beaucoup, André Agassi, depuis le début du match. C'est son 3e ace. Celui-ci, il est bienvenu. Son 2e ace, pardon. Seulement son 2e ace.
Non, les fautes. Ces deux services. Derrière Céline Foncourt, Agassi retient son coup droit. C'est rare de voir comme ça jouer un coup droit alors qu'il n'est pas vraiment menacé, qui atterrit au milieu du filet. Oh, ce petit regard d'Agassi. Et Rios. Allez, balle de 7 pour Agassi. C'est forcé à avancer hein, parce que la balle était courte, André Agassi, mais il n'avait pas encore complètement libéré son coup. Non, il est dans le couloir. Qu'est-ce qu'il avait fait? Oh, Rios qui a attendu. Il allait vers sa chaise, il a regardé la juge de ligne, il a vu qu'elle levait son bras. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Attendre ouais. Et espérer qu'elle sorte. Six points partout, pratiquement une heure depuis le début de ce match. Une heure d'un combat intense. Rios qui va servir avec la possibilité de s'offrir à son tour une balle de 7. Il va y être. Ah, magnifique. Oh, il est parfait! Quel bras gauche, quel touché! Oh, c'est. C'est beau, c'est tout simplement beau. Il a eu une occasion de faire le break dans ce set, Rios, et il l'avait saisi. Il a eu une occasion de remporter cette première manche. Et il est dangereux. Elle est bonne. Sur la ligne. Il n'y a pas cru, Rios. Oh, c'est une erreur de sa part. Il doit jouer cette balle. Mais quel joueur Agassi, hein. Il a une balle de 7 contre lui, c'est dur en ce moment dans la tête et il avance, c'est lui qui met la pression, il n'attend pas. Oh là là. C'est un non. Oh, c'est. On a deux numéros 1 mondiaux sur le court. Et là, sur ce match, ils nous sont. Deuxième balle de 7 pour Rios, mais la première sur son service. Oh non, oh, il sort le la volée amortie rétro, ouais, tout en touché. Quel joueur. C'est himalayesque ce que fait Marcelo Rios.
une heure depuis le début de ce match. Quel combat. On est passé par tous les stades. Agassi qui a eu 9 possibilités de faire le break. Il est en moyenne sur sa première balle, André Agassi, en vitesse, aux alentours de 185-190 km/h. Mais c'est tellement varié, tellement bien placé, qu'il n'a perdu que 3 petits points sur sa première balle de service depuis le début du match. Et Rios n'est pas n'importe qui en relance. Ah mais il est loin d'être terminé ce match. Tant mieux. Agassi, parce que sur son coup droit non ligne, il avait tout terrain ouvert croisé, il s'est contenté de remettre la balle comme s'il voulait tester encore Rios, mais là il faut qu'il se dise qu'en face de lui il n'a pas une jambe. Rios, même s'il a peut-être un petit peu mal au genou, mais là il court partout. Il faut qu'il se concentre plus sur sa manière de jouer et qu'il oublie un petit peu Marcelo Rios, André Agassi. Il est perturbé depuis qu'il a servi pour le 7. 5-4. Il a manqué un petit pas de dégagement de Rios. Ça va se jouer à ça, à ce genre de petits détails ce match. Il faut qu'Agassi fasse le ménage mentalement dans sa tête et que Rios nous prouve qu'il est capable de courir longtemps aujourd'hui pour essayer de se placer au mieux sur ses frappes. Pardon, sur ce dernier coup droit, donc ce bandage un peu trop serré, et il va demander je crois qu'il lui demande à l'arbitre monsieur Griotti de faire venir le kiné pour desserrer son bandage. Il va faire lui-même. Il a le droit de demander à tout moment une interruption de jeu pendant 3 minutes, même pendant un jeu. Oh là là, quel toucher. Il fait ce qu'il veut. Ah, vous ne le voyez pas la main. Rios. On n'est pas bien. André Agassi à faire son jeu, hein, à jouer un peu plus tôt, à couper les trajectoires comme il le fait si bien. Thank you.
Il n'est pas allé, hein, il n'a pas joué ce coup. On ne sait que penser parce que il y a quand même une petite part d'intox de la part de Rios qui joue sur le fait qu'apparemment Agassi est fébrile justement de par l'attitude du Chilien, mais il a l'air gêné quand même. Balle de break d'André Agassi, une de convertie seulement. Il s'en sort tout le temps, hein. Mais c'est là où, bien sûr, Marcelo Rios joue bien le coup là-dessus, hein. Mais c'est pas le jeu d'Agassi de tenter une amortie là-dessus. Il ne doit pas se préoccuper de Marcelo Rios, à savoir s'il doit le déplacer ou pas. De toute manière, lorsqu'il fait son jeu naturel, il déplace sans arrêt son adversaire et en plus, en frappant en puissance, et c'est comme ça qu'il doit jouer. Il s'en sort encore. Il n'est plus dans son rythme, hein. Il n'a pas le bon timing, André Agassi. C'est étonnant parce qu'il a vraiment la fébrilité d'un junior, là, André Agassi. Bon, c'est pas facile pour lui, hein. C'est toujours très difficile lorsqu'on a l'impression que le joueur en face est un petit peu diminué et qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là pour le moment sur le terrain. Attention, les ramasseurs de balles doivent être à leur place avec André Agassi. Essaye. Pourtant là il a joué son jeu, André Agassi. Il a repoussé Rios 1m50 derrière la ligne de fond de court et le Chilien arrive à accélérer pour reprendre l'avantage. Il faut que le ramasseur revienne à sa place. Il faut que le ramasseur revienne à sa place.
Rios qui essaie de gagner du temps entre les points, mais Agassi veut enchaîner le plus rapidement possible. André Agassi, oh là là, qui demande le score à Romano Griotti. De Josin, réussit à s'appuyer sur la deuxième balle. Alors, est-ce que le kiné va faire son apparition pour ce changement de côté? Oui, oui, il revient sur le terrain. Doug Spring. Allez, voilà. Le temps. Cette fois-ci, il était bien dans son coup, bien dans son coup droit. André Agassi. Impressionnant. Oui, il n'a pas joué. Il n'a pas joué Rios. Allez, faute! Mais, qui... mais quel bras, Rios! Quel bras magique! Déjà, sur l'attaque d'Agassi, il avait réussi dans la diagonale à mettre un énorme coup droit, on va le voir là-dessus. Et là, sur ce petit revers, il a attendu le dernier moment pour la jouer croisée, alors qu'on ne savait pas du tout où elle allait partir, cette balle. Non, 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 non. La balle lui arrive trop vite dans les pieds, pas eu le temps de se déplacer, se dégager, pardon. Bon, là pour Agassi, c'est une question de survie quand même. Il va falloir un moment ou un autre qu'il arrive à faire le break dans ce deuxième set. Sa cinquième balle de break dans ce deuxième set. La quatorzième depuis le début du match. De surprendre Agassi sur une deuxième balle très puissante. Oh, il a reculé, André Agassi. Il savait plus où se placer, il savait plus à quoi s'attendre. On l'a vu reculer d'un bon mètre au moment de jouer son revers. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? 7% de réussite en balle de break, 1 sur 14. Let's
Qu'est-ce qu'il va inventer, Rios? C'est parfait. C'est tout simplement parfait. Ah oui, parce que cette volée haute de revers n'est pas facile à faire. S'il la croise, Agassi dessus. Quel revers sur la ligne de Rios. Et c'est fou parce qu'on a l'impression qu'il ne bouge mais absolument pas Marcelo Rios en ce moment sur le terrain. Alors qu'Agassi ne ménage pas ses efforts en fond de cours. Et il n'arrive toujours pas à prendre l'avantage. C'est la première possibilité de Rios de gagner son service. Ah, il fait ce qu'il veut, ce qu'il veut. Tellement facile, tellement relâché. Vous savez Benoît, sur ces 15 balles de break je crois. Oui, 15. Bon, mis à part sur la 14e ou la 13e, je sais plus, le retour que Agassi a raté, derrière c'est toujours Rios qui les a sauvés. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire pour Agassi. Vous savez Thierry, ça me fait penser à la finale du tournoi de San José en indoor. Leighton Hewitt contre André Agassi en finale. Agassi n'a réussi à convertir que 2 balles de break sur 21 contre Leighton Hewitt. Et il avait perdu. 15. Et là, si Rios arrive à prendre le service d'André Agassi après un jeu terrible avant, c'est un exploit. Des fois il veut tellement s'amuser, jouer sur le terrain. Je crois qu'il avait essayé de feinter une amortie au dernier moment, il avait voulu changer pour surprendre Agassi. Qu'il pousse la balle. Il est tellement relâché que ça part tout seul de sa raquette. Regardez, bons appuis, tranquille. Allez, elle est placée à la perfection. Elle est bonne. Non, non, qu'est-ce qu'il lui fait ? Elle est bonne. J'ai l'impression que André Agassi est aveuglé en ce moment, il ne voit plus rien arriver. Ah oui, c'est normal. Agassi de plus en plus crispé. Rios qui tente tout, absolument tout sur chaque frappe de balle. Et qui s'offre une balle de break. Alors là, s'il réussit à faire le break. Non, il s'est bien servi, bien sauvé André Agassi.
extraordinaire. J'ai l'impression que il ne sait plus à quoi s'attendre André Agassi sur le terrain. Si jamais Sirios va lui faire une amortie, tenter une accélération, un coup croisé, venir au filet. Regardez comme il est loin de la balle. km/h. Ce n'est pas la vitesse qui comptait là sur ce service, c'était le placement de la balle. Ah oui. Deux aces consécutifs. Heureusement hein, qu'il retrouve sa première balle là. André Agassi. Il a la tête sous l'eau, André Agassi. Il respire de temps en temps, mais il a vraiment du mal. Lui qui a eu 15 balles de break depuis le début du match n'arrive absolument pas à se détacher. La censure Rio, c'est toujours là. 3 jeux à 2 pour l'Américain. Il ne fait pas bon d'avoir la tête sous l'eau en ce moment à Miami parce qu'il y a quelques requins qui traînent dans les parages. On a vu ça hein, tout à l'heure. Oui, oui. Juste avant que cette demi-finale ne commence, il y avait un requin qui se baladait dans les eaux limpides autour de cette île. Il y a d'ailleurs eu un incident sur la plage de Miami Beach il y a quelques jours. Une jeune femme, malheureusement pour elle d'ailleurs, qui s'est fait attaquer par un requin. Qu'est-ce qu'il est dur ce match. Un peu plus d'une heure et demie, 1h33 que les débats ont commencé. Le premier set a duré une heure. Là, 33 minutes déjà dans ce deuxième set. Et nous n'en sommes qu'à 3 jeux à 2 pour l'Américain. Ça nous fait plaisir de voir Rios à ce niveau-là. Il a fait un bon début de saison, quart de finaliste à Adélaïde et à l'Open d'Australie. Il est allé après s'essayer sur terre battue. Il a perdu au premier tour à Viña del Mar et au deuxième tour à Buenos Aires. Puis il est revenu sur le ciment à Indian Wells. Il perd en huitième de finale quand même. Hein. Il a fait un bon petit parcours là, dans le désert californien. Ici en demi-finale. Si son physique ne le lâche pas, il va être dangereux. Parce que mentalement, il est plutôt présent. Trois jeux à deux pour Agassi, deuxième set. Peut-être bien vu hein, de la part de Rios de ne pas faire l'effort avec cette balle parce qu'il sait qu'il est un petit peu diminué, donc il préfère s'économiser. L'échange était mal engagé pour lui. Oh, quelle variation au service sur cette seconde balle. Oh là là là, c'est fou, c'est fou! Mais il crée une symphonie de coups, Marcelo Rios.
Et mais encore une fois, Agassi ne la voit pas venir ce dernier coup droit. Comme s'il était en train d'observer Marcelo Rios, il ne voit pas la balle arriver. Ça sort de quelques centimètres. Il joue en demi-volée maintenant, François. C'est l'Orios. Regardez ça. C'est une des rares fois où Rios n'aura pas eu de balle de break contre lui sur son service. Rios qui choisit un côté hein, tout de suite, hein. Il sait que de toute manière, il reste en centre, il n'a aucune chance de démarrer, il préfère anticiper. Oui, force. Attaque profonde, en puissance. C'est bien ce que fait Agassi, il ne regarde pas Rios là, il joue son jeu. Il part sur l'arrière au moment de jouer son revers, André Agassi. Mais je suis étonné Thierry par la façon de jouer d'André Agassi dans ce match. Oui, c'est bien fait. Ah, c'est difficile. Rio joue tellement, tellement détaché. J'ai l'impression qu'il accorde aucune importance à chaque frappe qu'il va jouer. Jeux à 3. En fait, l'impression que chaque fois Rios est tout près de la rupture hein, sur chaque jeu, chaque changement de côté. Et je pense que son seul salut pour le moment, c'est d'essayer d'arriver à 4 partout, 5 partout et encore faire douter Agassi comme il l'avait fait lors du premier set. Par contre, si Agassi arrive à prendre une fois le service de Rios et à gagner ce deuxième set, je pense que là, ça deviendrait très très dur pour Rios. Alors là on vous montre, rassurez-vous, il y a des orques, mais c'est dans le Seaquarium qui est le plus bel endroit pour voir la faune aquatique. De par le monde, je n'ai jamais vu un endroit pareil. C'est absolument extraordinaire, c'est sur l'autre petite île qui se trouve juste avant Kibisken. Ouais. Entre la terre ferme et l'île de Kibisken où se déroule ce tournoi. Si vous venez à Miami, c'est obligatoire d'aller voir cet endroit.
Et vous aviez dit au cours de la semaine que c'était là que Flipper le dauphin était né. Ouais, et il y a toujours... Effectivement, je me suis renseigné, effectivement. Ouais. C'est là en fait que ça a été le premier dauphin à naître en captivité, à vivre en captivité, malheureusement, pour lui, à mourir en captivité. Mais il y a toujours toute sa descendance. Oui, oui. Les petits bébés de Flipper le dauphin sont là. Ouais. C'est d'ailleurs là qu'ont été tournés les épisodes de Flipper. Enfin, la plupart. Vous les regardiez ? Oui, ouais. Bien sûr. Ouais. Rio, ce service. Ouais, c'est bien. On retrouve un petit peu son jeu, là, André Agassi. Ça sort, 15-30. C'est son dixième jeu de service à Marcelo Rios depuis le début du match. Sous les yeux de sa femme et de sa petite fille. Et une fois sur deux, il a dû sauver des balles de break. Que le dernier revers croisé là n'était pas facile à faire, balle très basse. Il arrive à lui redonner de la vitesse. Réfléchi au moment de jouer, Marcelo Rios. De break encore pour André Agassi. Une de convertie sur 15, c'est la 16e. Deux revers. Et solide, il ne bouge pas à la frappe. Très compact, très relâché. Encore une fois, rien à faire pour André Agassi, cette balle de break. Ah non, parce qu'il a essayé. Dès le retour, l'Américain. Alors les deux revers consécutifs là sont terribles. Réussi à la redresser cette balle en André Agassi. Oh là là, tout le monde l'avait vu bonne cette balle. Même Agassi était parti se repositionner. Non, ça sort. Bon, ça va, ça n'a pas de conséquences. 4 jeux partout. C'est la 7e balle de break d'André Agassi depuis le début de ce deuxième set. 0 sur 7 et 4 jeux partout. Il est évident que Marcelo Rios va tenter à partir de maintenant de mettre beaucoup de pression sur Agassi pour essayer de faire la différence en 2-7. Thank you.
Et il ne sait pas. Agassi ne sait pas où ça peut partir. Ça peut aller n'importe où. Oui, mais Rios le fait. Frappe dans la balle avec une telle facilité. Vraiment déconcertant là pour Agassi. Là sur ce tour de revers, c'est dommage. C'est Rios à 0-15. Il s'est tombé. Oh. Quel retour déjà de Rios. Vous avez ce petit coup de poignet d'Agassi pour relever cette balle en lui mettant un maximum d'effet. Parce que la balle était sous le filet, hein. C'était pas facile à accélérer. Oh, il souffle, Darren Cahill. Parce qu'André Agassi n'a pas très bien servi sur ce jeu de service. Il n'a pas passé beaucoup de premières. Mais heureusement pour lui, à 0-15, Marcelo Rios n'a pas essayé de mettre un coup d'accélérateur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est fou, c'est fou. Agassi qui se parle là. Oh non, cette balle est bonne, elle est complètement bonne. C'est dur comme annonce. Ça fait deux fois. C'est fou, hein, c'est Rios qui est pratiquement à un mètre à l'intérieur du terrain, qui distribue le jeu. Et sur ce dernier coup droit, comme il est bien dans la balle, sans forcer, très relâché. Il fait à Agassi ce que Agassi fait normalement aux autres. Fort sur les jambes là, Rios qui gère tous les efforts qu'il fournit sur cette fin de match, enfin cette fin de set. Trenta. Qu'il a un petit coup physique là aussi en plus en ce moment, Marcelo Rios. Les jambes un petit peu lourdes. Oh. Oh là 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 là! Agassi qui tente sans arrêt de déborder Rios et il sort des coups complètement magiques. Il y a toujours son bras qui traîne par là et qui arrive à sortir quelque chose d'incroyable.
Oh, il était. Il était en train de marcher, il s'était arrêté, puis tout d'un coup il repart. Il marche tranquillement vers l'attaque d'Agassi. Il a du mal physiquement, Rios. Ne pousse plus là sur son service. Ouh, la grosse double faute. 17e balle de break. Et surtout, une balle de 7 pour André Agassi pour revenir à une manche partout. Allez, faute! Oh, le poids serré d'André Agassi, le public debout! Il en a besoin de ce soutien à l'américain. Oh, il se passe quelque chose. Marcelo Rios est en train de dire quelque chose à Romano Griotti. Oui, non, je crois qu'il fait. Il fait revenir. Doug Sprint, qui était d'ailleurs. Qui était là. Après pratiquement 2 heures de match. Il y avait un set partout, 7-6 pour Rios, 6-4 pour Agassi dans le deuxième set. Agassi qui a eu 17 balles de break, qui n'a réussi à en convertir que 2, mais la dernière était la plus importante, puisqu'on avait, c'est vrai, pressenti que Rios tentait de gagner ce match en 2-7 parce qu'il ne pouvait pas à cause de son genou. On ne savait pas que Rios avait des problèmes avec son genou, on lui avait demandé, il nous avait dit que non, et bien apparemment si.